Hier, 25 décembre, et même le 24 au soir, la chrétienté a fêté la naissance de Jésus. Et nous sommes encore dans cette ambiance de fête aujourd'hui. Gardons donc dans notre cœur la foi, l'espérance et l'amour. Nous vous souhaitons une bienvenue toute chaleureuse dans ce prolongement de joie et d'espoir. Nous allons passer de bons moments ensemble avec des chants, des prières, des lectures et un message. Fred et Eric liront la parole de Dieu et Zoran nous apportera le message et pour ma part, j'accompagnerai les cantiques au piano. Oui, nous allons chanter, mais d'une façon un petit peu différente, comme cela se fait d'ailleurs dans quelques églises protestantes sur Genève. Donc, je ferai l'introduction du chant comme d'habitude et nous allons chanter les cantiques bouche fermée avec le masque. Et en même temps, les paroles des cantiques vont défiler sur l'écran. Et comme ça, vous pourrez murmurer, enfin, même pas murmurer, mais chanter bouche fermée avec les paroles qui sont devant vous. Nous espérons ainsi quand même louer notre Seigneur par des cantiques de louange. Et maintenant, j'ai juste un petit mot de la part de Marilyn concernant les cartons à draps. Et oui, malgré les circonstances et grâce à l'aide reçue avant et après la fermeture de l'église en novembre, quelques jeunes tisons et des animateurs ont pu préparer 61 cartons qui sont partis fin novembre pour égayer la vie de ces enfants dans un orphelinat en Moldavie. Une petite anecdote, alors que les magasins de jouets étaient peu accessibles, nous avons eu un don généreux de jouets divers et des peluches qui ont bien enrichi nos cartons. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette action. Et maintenant, nous allons nous lever pendant la prière silencieuse. Amen. Nous allons louer l'Éternel avec le psaume 149. Louez l'Éternel, chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur et que les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec des tambours et la harpe. En effet, l'Éternel prend plaisir en son peuple. Il accorde aux humbles le salut pour parure. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans notre bouche et l'épée à deux tranchants dans notre main. Donc maintenant, nous allons chanter deux cantiques, donc bouche fermée avec le masque, deux cantiques de suite. Le 26 et le 31.
nous allons prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, et si près de nous en Jésus-Christ en ce moment, que ton nom soit sanctifié, béni par tous et béni par moi en premier. Que ton règne vienne. Nous venons de fêter ta première venue et nous attendons avec grande espérance ta deuxième venue. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas facile de le dire, Seigneur. Il y a des malades, il y a des personnes endeuillées, il y a des personnes seules, il y a des personnes déprimées. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, privilège pour nous de manger chaque jour. Nous avons une pensée pour les pauvres qui sont même autour de nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il est difficile, Seigneur, de pardonner et nous avons besoin de ton aide. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Donne-nous toutes les armes dans cette lutte de chaque jour. Mais délivre-nous du mal, car tu nous donneras une portion supplémentaire de ton esprit pour être délivré du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et c'est par la foi que nous le crions. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes qui nous suivez, Frédéric vient de lire un texte. Ce texte, nous sommes tellement habitués à l'entendre à chaque Noël que nous l'écoutons paisiblement. Mais essayons d'imaginer.
Essayons d'imaginer ce qui se passe dans le cœur d'Hérode, ce qui se passe dans le palais d'Hérode, ce qui se passe à Jérusalem. C'est le grand branle-bas. Une délégation étrangère qui arrive et qui dit « Nous avons vu l'étoile », c'est-à-dire « Le ciel nous a signifié quelque chose ». Et qu'est-ce que le ciel nous a signifié ? Le ciel nous a signifié que le roi des Juifs, qu'un roi vient de naître, vous imaginez dans la tête d'Hérode ce qui se passe, ce roi pourri, ce roi qui mégalomane, il n'en revient pas. Un rival sur mon territoire. Mais ce n'est pas possible. Et pourtant, il va émeuter tout Jérusalem. Il va demander à tout le monde d'aller chercher dans toutes les archives, chercher partout où vous avez des informations pour me dire est-ce que c'est possible. J'imagine le courage des docteurs de la loi qui doivent lui dire oui, c'est possible, c'est même vrai. Le prophète l'a dit. Voyez, Noël, c'est pas forcément quand Jésus arrive une période de tranquillité. Et c'est pour ça que les paroles des anges paix sur la terre contrastent avec ce que vit Hérode, ce que vit le palais, ce que vit Jérusalem et ce que vit le ciel. Vous voyez, autour de nous aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui se posent la question « Mais où est Dieu dans cette période de Covid-19 ?» Où est Dieu? Que fait Dieu? Le Covid-19 est un peu notre moment de Noé. La figure de Noé renvoie à la Genèse. Elle renvoie au chapitre 6 de la Genèse, où on nous parle d'un homme qui suit fidèlement les instructions de Dieu. Il nous parle d'un homme qui va faire une arche aux dimensions énormes pour pouvoir abriter les animaux et sa famille et tous ceux qui auraient voulu rentrer mais qui ne sont pas venus. C'est ce moment de temps de grâce que nous vivons aujourd'hui aussi. Le pape François écrit, et j'ai beaucoup aimé sa phrase, le Covid-19 est notre moment de Noé à condition que nous puissions trouver notre chemin vers l'arche et des liens qui nous unissent, l'arche de l'amour et d'une appartenance commune. Voyez, chers amis, personne ne sera sauvé tout seul. Personne ne sera sauvé en dehors des autres. Nous sommes tous embarqués dans la même situation. Je sais, le salut est individuel, mais avant que ce côté individuel se révèle, Dieu nous dit, attends, je n'ai pas envoyé mon fils que pour toi. Je l'aurais fait s'il n'y avait personne d'autre que toi. Mais aujourd'hui, tu vis le temps de Noé, tu vis le temps où il faut dire que je suis venu visiter la terre. C'est un temps d'épreuve et c'est un temps solennel que nous vivons. Un jour, il y avait une garderie d'enfants qui a décidé de fêter l'anniversaire de la naissance de Jésus. Alors, ils ont tout préparé, les mamans ont tout préparé. Il y avait des chapeaux pointus, des masques, il y avait des décorations, des gâteaux, il y avait même de la crème glacée. Quand Anna
est rentré à la maison, la maman lui a demandé, alors, comment ça s'est passé la partie de l'anniversaire de Jésus? C'était super. Il y a juste une chose qui n'a pas marché. Jésus ne s'est jamais montré. À Noël, chers amis, nous ne fêtons pas simplement un anniversaire. À Noël, nous ne faisons pas une partie pour quelqu'un qui est là. À Noël, nous nous souvenons que Dieu, dans la personne de son Fils, est venu visiter la terre. Nous nous souvenons que dans la personne de son Fils, il est venu nous montrer combien il nous aime. Nous nous souvenons que son Fils nous a laissé une espérance, l'espérance qu'il va bientôt revenir. Noël, c'est Dieu avec nous, ce Dieu qui ne cesse jamais d'être avec nous, dont la présence se manifeste de toutes sortes de façons, par exemple, par l'espoir rendu possible, par la justice et la paix qui sont toujours annoncées. C'est pour ça qu'à Noël, il y a une ambiance particulière. En dehors, je veux dire, des décorations et des magasins, mais même en vous-même, à Noël, vous êtes un peu différent, vous écoutez une musique qui est un peu différente. Je sais bien, ça se perd un tout petit peu. Mais cette ambiance de Noël est quand même encore présente. Et c'est pour ça qu'à Noël, parfois, nous sommes appelés et nous aimons parfois faire des choses différemment. Écoutons Eric nous raconter comment s'est passé le premier Noël. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Vous sentez que l'ambiance est différente. C'est une ambiance différente de tous les jours. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une étoile comme ça qui arrive. Ce n'est pas tous les jours qu'un cœur d'ange se met à chanter. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui a donnée dans son œuvre. » C'est bien ce que l'Écriture déclare, et Paul cite un psaume, « Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Oui, à Noël, Dieu fait des dons aux hommes. Mais depuis le temps que nous vivons cela, eh bien, nous avons oublié peut-être cela. Nous avons peut-être oublié que nous avons reçu un don. Dans la ville de Hope City, il y avait un mendiant qui avait l'habitude de se tenir à un endroit précis tous les jours de l'année. Les gens passaient, certains lui disaient bonjour, d'autres ne lui disaient rien. Certains se sont tellement habitués, il leur est devenu tellement familier que, eh bien, ils s'arrêtaient, ils lui parlaient,
Il lui demandait comment il va. Il lui racontait l'histoire de leur dernier petit qui a la coqueluche et qui ne passe pas et qui sont inquiets. Et puis d'autres qui venaient et qui disaient, oui, notre fils est entré en polytechnique, il va avoir une bonne situation. L'homme écoutait. L'homme écoutait et parlait peu. Mais ce jour-là, c'était le jour de Noël, et on ne sait pas pourquoi tout à coup la foule s'attroupe. Vous savez, il n'y a pas de raison, vous avez certainement vu, il suffit que 5 ou 6 personnes s'arrêtent quelque part et puis d'autres s'agglutinent tout de suite, parce que voilà, nous sommes faits comme ça. Et ce jour-là de Noël, bien les hommes de cette ville de Hope City, ont entouré cet homme. Leur regard était insistant, comme s'il disait, toute l'année nous t'avons donné quelque chose, qu'est-ce que tu vas nous donner maintenant ? L'homme ne parlait pas selon son habitude. Il avait du mal à leur dire, je suis pauvre, je ne peux rien vous donner. Alors il a ouvert sa besace, il a sorti des craies de toutes les couleurs et il a dessiné sur le trottoir un paysage merveilleux. Des enfants qui jouent, des belles prairies, vraiment un très beau paysage. Puis, il s'est levé, il a donné un morceau de craie à chaque personne présente et il est parti. On ne l'a plus jamais revu. Que pensez-vous que les hommes ont fait avec ce dessin ? Ont-ils découpé le trottoir pour garder le dessin ? Ont-ils fait un cadre autour de ce dessin ? Rien du tout. Ils ne savent même plus où ils ont rangé les bouts de craie. Voyez, chers amis, en nous envoyant son Fils, Dieu a voulu dessiner toutes les facettes de l'amour qui sont les siennes et qu'il veut que nous ressentions au fond de nous-mêmes. Par exemple, l'amour pardon, l'amour don, l'amour partage, l'amour tolérance, l'amour prière, l'amour adoration. Il a tracé le portrait du royaume des cieux. C'est comme ça que je comprends d'ailleurs les différentes parties du ministère de Jésus. Quand vous lisez un peu la chronologie telle qu'elle nous est présentée chez Matthieu et Luc, vous vous rendez compte que le début du ministère de Jésus était essentiellement constitué de guérison. Bien sûr, il prêchait le royaume, ça c'était la première chose, mais cette prédication était accompagnée de guérison, elle était accompagnée de pardon, elle était accompagnée de résurrection, elle était accompagnée de miracles, parce que Jésus voulait dessiner, il voulait montrer aux habitants qui vivaient autour de lui, voilà quel visage aura le royaume de mon Père, le royaume des cieux, un royaume où il n'y aura plus de maladies, un royaume où il n'y aura plus de souffrance, un royaume où il n'y aura plus de larmes. Il a dessiné pour nous ce royaume. Et en même temps, quand il est parti, par son esprit, il nous a envoyé des dons. L'apôtre Paul dit, chacun de nous a reçu un don. Certains ont peut-être reçu même plusieurs. Dans la deuxième partie de son ministère où Jésus va raconter plusieurs paraboles, vous vous souvenez, il y a un homme qui reçoit 5 talents, l'autre qui reçoit 2 talents, l'autre qui reçoit 1 talent. C'est-à-dire chacun d'entre nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Comme
ces hommes qui ont reçu des bouts de craie, eux, ils ne se souviennent plus où ont fini ces bouts de craie. Et vous? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous vous souvenez du don que Dieu vous a donné? Que faites-vous de ce don? Chacun de nous a reçu un don qui lui est propre pour que l'amour puisse avoir toutes les facettes, pour que l'amour puisse répondre à tous les besoins du monde. J'ai beaucoup bricolé, mais imaginons que ce matin, nous soyons ici tous doués du bricolage. Mais il n'y aurait pas de Mozart, il n'y aurait pas de Bach, il n'y aurait pas de Kant, il n'y aurait pas de Voltaire. Et combien de personnes vivent des choses extraordinaires parce qu'elles écoutent Mozart? Combien de personnes sont nourries par la lecture de Kant? Dieu a donné à chacun de nous un don pour que la société tout entière puisse bénéficier des différents dons. Rappelons-nous, c'est dans les ténèbres que la lumière de Dieu est apparue. Dans un monde plein de chaos, un bébé a tout changé. L'espoir est arrivé sous la forme d'Emmanuel, Dieu avec nous. Je souhaite que ce Noël, même si nous sommes que le lendemain, nous rappelle que nous avons tous dans nos mains des craies de différentes couleurs, des dons différents selon ce que l'Esprit nous a accordé pour dessiner un visage, pour dessiner le visage que prendra notre famille, notre société, notre monde. À Noël, nous célébrons Dieu qui s'est fait proche de nous, Dieu qui nous enjoint à faire preuve de créativité pour nous rendre proches les uns des autres, malgré nos différences, et même à cause de nos différences. Alors, chers amis, je vous souhaite un joyeux Noël, même si c'est avec un jour de retard. Que Jésus comble chacune de vos vies et trace en elles son visage d'amour, de justice et de paix.
Dans le deuxième culte, nous allons aborder une autre facette de Dieu, comment Dieu cherche à nous apprivoiser. Avant de chanter le cantique 456, je voudrais vous lire ce texte des Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Notre Père, tu nous as comblés. Tu nous as comblés dans un monde à la dérive. Tu nous as comblés dans un monde souffrant. Tu nous as comblés dans un monde où tu souhaites que par les dons que tu nous as accordés, nous cherchions à soulager la souffrance, à rendre visite aux isolés, à faire du bien à ceux qui souffrent et à prendre soin de chaque être que tu places sur notre chemin. De par nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas le faire. Mais quand nous regardons le don que tu nous as fait en Christ Jésus, nous ne pouvons pas rester, Seigneur, insensibles et immobiles. Nous demandons sur tout que tu nous aides aujourd'hui, que l'amour que tu nous as témoigné en Christ puisse être aussi le moteur de l'amour que nous voulons nous témoigner les uns aux autres. Nous t'en prions en Christ Jésus. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. À l'Église de Dieu établie à Genève, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés
par l'union avec Jésus-Christ et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint, ainsi qu'à tous ceux qui, en quelque lieu qu'ils soient, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur comme le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu nous a donné son Fils, un don gratuit pour toi et pour moi. Et pour concrétiser cet amour infini de Dieu pour nous, vous allez recevoir chacun un cœur en chocolat quand vous sortirez de ce lieu. Ce cœur en chocolat vous sera donné, vous n'allez pas le prendre, il vous sera donné pour montrer que Dieu vous aime de tout son cœur et que vous avez des dons pour lui à lui donner. N'oublions pas non plus les offrandes qui se trouvent dehors, les offrandes pour l'école du sabbat et le budget d'église. Nous avons reçu gratuitement en lui, donnant aussi de notre cœur généreux pour lui. Merci à chacun pour sa présence de ce matin et belle journée de chacun, belle journée de sabbat à chacun et que la foi, l'espérance et l'amour règnent dans votre maison. Et je vous invite maintenant à sortir par cette porte-là où vous allez recevoir ce don de la part de Dieu.